Eh bien salut les amis, c'est Kermendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mario Kart Tour sur mobile. J'ai bien réfléchi, alors déjà, bon, j'ai fait la plupart des défis en fait, bon, il y en a encore quelques-uns que j'ai pas fini. Par exemple, obtenir un score de moins 7000 avec un pilote à manche courte. J'ai l'impression que Daisy et Peach ne sont pas des pilotes à manche courte selon eux, d'accord. Donc faudra faire avec Wario, je pense que c'est ça, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le niveau où Wario a la frénésie. Il manque renverser 3 adversaires avec un bill-ball, j'ai eu 0 bill-ball, pourtant j'ai fait exprès d'être toujours 8ème et j'en ai 0 eu, donc ça m'énerve un peu. Faites-vous renverser 3 fois au moment de franchir la ligne d'arrivée, vous êtes beaucoup à me demander comment on fait cette mission, parce que vous dites que c'est genre quasiment impossible, ça demande des chances incroyables. Alors ce que je fais, c'est que je prends un circuit qui est pas très long, je désactive l'utilisation automatique des objets, dès que j'ai, je m'arrange pour être premier, dès que j'ai une banane, je fais en sorte de la garder, vraiment c'est important, faut garder la banane, et ensuite quand je me retrouve à la fin du premier tour, je me mets soit tout à gauche, soit tout à droite du circuit, vraiment au maximum à gauche ou au maximum à droite, et je dépose une banane juste devant la ligne d'arrivée, et comme ça quand je termine le deuxième tour, je me prends la banane, et ça m'a compté. J'ai fait ça 3 fois de suite et ça m'a compté le défi. Pourquoi c'est important que la banane soit sur le côté tout à droite ou tout à gauche? C'est parce que si vous la mettez en plein milieu, il y a quand même beaucoup de chances qu'un autre ordi se la prenne et donc vous aurez fait tout ça pour rien. Et pourquoi je fais un circuit court plutôt qu'un circuit long? Tout simplement parce que ça marche aussi sur un circuit long, mais si vous le faites sur un circuit long, que vous déposez votre banane, que l'ordi se prend la banane, et bah vous allez rager, vous allez devoir recommencer et ce sera beaucoup plus long à refaire que si c'est sur un petit circuit comme le circuit Mario. Voilà, donc ce sont mes conseils. Ce défi est pourri, genre 1000% pourri, mais bon bah Nintendo ils aiment bien mettre des défis un peu pourris dans Mario Kart Tour. Hein. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, hein, j'ai aussi fini tous les défis or. Et donc ouais, j'ai réfléchi et je me dis que je vais peut-être pas utiliser le tuyau dans cette saison. En fait, j'ai réfléchi longuement et je me dis que cette saison, ils ont rajouté vraiment trop peu de pilotes. En vrai, quand je regarde les pilotes qui me manquent, bah, il manque que Waluigi en rare. Et bon, en super rare, il manque bien entendu Mascasse Pâtissier et Peach Vacancière, mais ça vaut pas le coup. Selon moi, ça vaut pas le coup, en fait. Parce que si je commence à jouer, en fait, les tuyaux, il y a quand même énormément de chances que je me retrouve avec des pilotes que j'ai déjà. Et c'est pas ce que je veux. Donc moi, je pense que je vais économiser mes rubis et que je vais attendre la prochaine saison et que je ferai un gros tuyau opening dans la prochaine saison parce que bah déjà j'aurai plus de rubis et en plus parce que à mon avis ils auront rajouté un peu plus de persos, ce qui serait quand même cool parce que là vraiment ils ont rajouté 3 persos dans cette saison quoi, c'est nul, ils en ont déjà rajouté si peu, je crois pas, hein, c'est vraiment naze. Donc bah voilà, j'espère juste qu'ils en mettront plus la prochaine fois. Dans tous les cas on va continuer, donc on est avec Daisy sur le lagon Daisy, on va prendre ça et ça pour pouvoir les faire évoluer. Sur le lagon Chip Chip, j'avais dit le truc Daisy, non c'est le lagon Chip Chip ce circuit, en sens inverse, en sens inverse, est-ce que je l'ai déjà fait en sens inverse? Peut-être. Comment on va faire pour remonter à la fin? Oui, il y a même un passage, attendez, non, j'ai jamais dû le faire en sens inverse, en fait, ça me dit rien du tout. Ouais, ça me dit rien, l'objet, oui, j'aurais pu passer à côté, oh bah. Ok, tu peux sauter tout au-dessus du truc, c'est bien, comment ça, je suis 6ème? D'où? C'est pas drôle ça. Ok, d'accord, je loupe tout en plus. Ouais, donc normalement, il y a un passage juste à gauche. Je sais pas si on peut y aller, non? En fait, on pourra peut-être pas. Oh, ok, d'accord, c'est pas comme ça qu'on y va. Hein. Mais des objets, non? Oh, ah non, bah je pense qu'on peut pas y aller. Bah pourtant, ils ont mis des objets quand même, c'est bizarre. Donc ça laisse penser qu'on pourrait y aller, mais... Bon, par contre, vous avez vu, je suis 7ème et encore une fois, pas de bill-ball. Alors oui, je sais qu'il y a un planeur qui permet d'avoir plus de chances d'avoir des bill-balls, mais je suis pas bête, hein. J'ai joué avec le planeur qui permettait d'avoir plus de chances d'avoir des bill-balls. Et ben, j'ai pas eu plus de chances. Enfin, peut-être que si, hein, mais j'ai pas eu plus de bill-balls. J'en ai toujours eu 0 depuis le début de cette saison. C'est franchement, les missions qui te demandent d'utiliser un objet que t'as quasiment jamais... Ouais, d'accord, je veux bien comprendre, mais je trouve ça nul, hein. Franchement, ouais, je trouve ça vraiment tout à fait pourri. Le bill-ball, c'est un truc que t'as quasiment jamais et que même si je l'ai un moment, je suis sûr que genre à tout casser, je vais réussir à renverser une personne parce que tous les autres, ils vont être trop devant. Ouais, j'en sais rien, ça me déprime. Ça me déprime. Ce genre de mission, c'est ultra déprimant. Bon, allez. Ok, on est presque arrivé à la fin. Je récupère quand même quelques pièces parce que j'avais presque rien. 15, c'est quand même pas grand-chose. C'était 4 mini 28, c'est comme ça qu'elle s'appelait, là. Bon, bah, ok. Parfait. Vas-y.
Je suis bientôt niveau 33. Je sais pas si j'y arriverai aujourd'hui, mais je suis bientôt niveau 33. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être niveau 33, c'est d'être Ligue 20 maintenant pour valider l'un de mes derniers défis de la frise. Et après, je débloquerai peut-être un nouveau tableau d'ailleurs. Et on va jouer avec lui, lui et lui. Je sais pas s'il est déjà au max d'ailleurs. Non, c'est 7. Non! Les ultra rares, ils peuvent monter à plus de 700. Mon pilote qui est le plus haut, il a 704, un truc comme ça, je crois, je sais plus. 501, enfin 701, 704, je sais plus exactement. Donc, ouais, il peut monter assez haut. Je crois que j'ai jamais amené un pilote ultra rare au max. Ça doit être 740, 750, je sais pas. Très bien. Encore une fois, j'ai pas l'objet que je veux. Ok, les pièces, ça aura pas mis trop de temps, c'est bien. Ok. Oh, parfait, je peux continuer mon combo. Ça, ça fait plaisir. Non ! Ah, 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 j'ai été beaucoup trop gourmand, là. Vas-y, tu peux toucher quelqu'un ? Non, dommage. Et là ? Ça a touché personne. Ça a pas détruit un objet, quand même ? J'ai l'impression d'avoir entendu le bruit de destruction d'un objet, mais peut-être pas. Ok. C'est vraiment cette pièce-là, non ? Non ! Oui, c'est bon. Ok, elles étaient pas si loin, je peux les ramasser. Combo de 13... Là par contre tu peux pas continuer ton combo sauf si t'as un objet comme je sais pas un champi ou un truc qui peut détruire qui permet de le prolonger, mais sinon non c'est difficile. Mais ce circuit j'ai l'impression que ça doit être la millième fois que je le fais. En plus je crois que j'exagère même pas, parce que ce circuit je l'ai fait énormément de fois, genre quand j'essayais d'avoir un super score avec Bowser, je l'ai fait énormément de fois. Donc cette version de ce circuit, bon je l'ai peut-être pas fait 1000 fois, mais je l'ai fait au moins une centaine de fois, hein. Je le connais tellement par cœur, c'est dingue. Je le confonds même pas avec les versions alternatives et tout, parce que lui je l'ai fait tellement de fois que c'est juste dingue. Bien, alors, promenade à Paris en sens inverse. Voyons voir. Mais pourquoi c'est Todd qui est genre en lumière dessus? C'est bizarre. Pourquoi Todd? Quel rapport entre Todd et Paris? Les champignons peut-être? Les champignons de Paris, voilà, c'est ça. Non, je crois d'ailleurs que champignons de Paris, ça se dit champignons de Paris que en français en fait. D'ailleurs, en Thaïlande, en Thaïlande, ils parlent anglais bizarrement. Hein, donc, il y a des trucs qu'ils utilisent en anglais. Mais oh, je vais faire manger, ouais, très bien. Ils utilisent en anglais, mais en fait, peut-être que dans les autres pays anglophones, enfin dans les vrais pays anglophones, on les utilise pas comme ça. Donc, mais je vais quand même vous dire, parce que ça m'amusait, c'est que en vrai, j'étais avec des potes et on prenait une pizza. Et en gros, il y avait une pizza aux mushrooms. Alors, les mushrooms, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer vraiment ce que ça veut dire. Mushroom, ça veut dire champignon en anglais. Mais ça veut dire n'importe quel champignon en fait. Genre, en gros, ça peut être des girolles, ça peut être des cèpes, ça peut être des shiitake, ça peut être des champignons de Paris. Mushroom, ça veut juste dire Paris, globalement. Et donc sur la carte, il y avait marqué mushroom. Et il y avait une autre pizza, et sur lequel il y avait marqué champignon. Mais genre, la carte, elle était en anglais. Hein. Bon, il y avait aussi une carte en thaï, mais ça, je comprenais pas. Mais il y avait une carte en anglais, et sur la carte en anglais, il y avait un truc, et il y avait marqué champignon. Et genre vraiment marqué champignon exactement comme nous on l'écrit en français. Et j'ai demandé à mon pote qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi un qu'est-ce que c'est un champignon. J'essayais de le dire avec un nom, enfin avec un accent anglais, mais je savais même pas pourquoi, parce que genre en plus c'est un mot français champignon, donc je comprenais pas pourquoi. Et en fait il m'a montré sur une photo, et en gros pour eux les champignons c'est les champignons de Paris. Les champignons de Paris, ils appellent ça champignons. Alors que tous les autres champignons, ils les appellent mushrooms. Alors ils ont des noms particuliers, hein, genre des noms scientifiques, etc., des noms culinaires. Mais en vrai, tous les champignons, ça s'appelle des mushrooms. Mais les champignons de Paris, ça s'appelle des champignons. Pour champignons, je saurais pas le dire, parce que en vrai, G-N-O-N, je ne saurais pas comment ça se prononce en anglais. Mais voilà, donc c'était assez perturbant. Donc les champignons de Paris, ils les disaient à peu près à la française, mais pas tout à fait quand même. Bon. Alors, voyons voir, maintenant on est à la chasse aux boîtes avec Waluigi. Waluigi qui est le dernier pilote, qui n'est pas ultra rare, que je n'ai pas débloqué. Faudrait que je l'achète dans la boutique. D'ailleurs, je sais pas s'il va finir par arriver dans la boutique. Il était dans la boutique durant la dernière saison, et j'ai pas voulu le prendre. J'ai dit, mais non, ça sert à rien que je le prenne, de toute façon. Je finirai par tomber dessus, je vais faire un gros pack opening, c'est certain que j'aurai Waluigi. Et qu'est-ce que le destin m'a montré? Que je n'ai pas eu Waluigi. Ok, non. Ok, j'en ai loupé un, peut-être pas. Si, il a disparu, d'accord, ok. Dommage. Pourquoi il y a autant de plots, ça? Quoi de mettre des plots comme ça, là? Oh non, oh non, oh non, oh non. Là, je le sens plutôt mal. Je gère très mal les virages de ce circuit. Enfin, de la plupart des circuits, d'ailleurs. Ok, le truc, il s'est envolé. Ça, ces virages, ils sont trop durs. Non, ils abusent. Je sais pas comment on les prend correctement, ces virages. J'y arrive jamais. Ok. Si j'ai deux étoiles, c'est déjà énorme.
il a pas voulu faire son dérapage. Et bah voilà, il s'envole. Ok, tranquille. Là, ils sont au milieu, quoi. Ok. Je pense qu'ils vont nous demander 20, quand même. Pas que 20, je suis pas si loin. Ils vont demander plus que 20, c'est sûr. Alors là, il faut utiliser les champis et... J'ai pas le dernier. Ouais, j'ai 20. Je sais pas s'ils vont pas demander genre 5, 12, 20. Pas plus que 20. 20. Oh mon dieu. Ah, parce que j'avais vraiment pas envie de le refaire, ce mini-jeu. Là, ça me disait rien du tout. Hein. Je suis bien content de l'avoir terminé. Ok, c'est parfait. Bon, maintenant, coupe bébé Luigi. Avec Circuit Mario 1 en sens inverse. Ça, c'est pas au max, donc allons-y. Et j'ai pas l'aile qu'il faut. C'est quelle aile, celle-là? C'est l'aile d'or. L'aile d'or, c'est à quel moment qu'on pouvait l'avoir? Parce que je suis passé à côté et je sais pas du tout... genre, elle est peut-être... C'est probablement pas un planeur, en fait, de saison. Hein. Ça doit être juste un planeur ultra rare, basique, entre guillemets, genre, qui est là pour toutes les saisons. Mais ouais, il faudrait bien que je le drop un jour, mais les ultra rares, on en drop pas tant que ça. Hein. C'est le principe, c'est que c'est ultra rare. Bon, ok. Et quand est-ce que je vais trouver une course dans laquelle Wario a la frénésie? J'en ai absolument besoin pour mon défi. Parce que j'ai pas d'autres persos qui a les manches courtes. Ok, je vois rien. Ouais, merci. Là, ce serait bien le moment qu'on me double encore un peu plus. Et que je récupère un bilbal. Et bien sûr, tout le monde me passe de... Enfin, je repasse devant presque tout le monde. Bon, bah c'est pas comme ça que j'aurai un bilbal. En étant quatrième, avoir un bilbal, il y a peu de chance. Voire pas du tout. Je sais pas quelle place faut être pour avoir un bilbal. Je pense que le bilbal, tu peux pas l'avoir si t'es bah, déjà 3ème, 4ème, 2ème, 1er. Je pense que tu peux pas. Ah bah génial, merci. Ok. Je peux avoir des gens, non? Parce que 7ème, c'est pas vraiment exactement ce que je veux. Ok, je vais finir 5ème. Pas ouf, hein. Mais 5374, voyons voir si ça suffit. J'ai une frénésie quand même. Et j'ai eu quelques personnes avec la frénésie. J'aime pas ces circuits super courts. Pour le score, c'est pas bien. 5300, ok. Je suis à 82 points au-dessus. C'était assez serré. Circuit Yoshi. Avec ça et ça. Ok. Bon. Alors, oh, il est trop mignon le Toad Stand. Il est vraiment trop cool. J'ai super hâte que le multi soit disponible, mais... ils ont annoncé pour décembre, mais ouais, ils ont annoncé pour décembre, hein, sachant que le jeu il a déjà été repoussé 3 fois de suite. Ça m'étonnerait pas qu'ils repoussent le mode multijoueur 3 fois de suite. Hein. Bah, ce serait quand même vraiment nul, mais ce serait peut-être pas si étonnant de leur part. Hein. Non, on va essayer de pas y croire là. Ok. Très bien. Parfait, je continue mon combo. Bon, je suis pas excellent, mais c'est quand même pas mal. Combo de 6. On n'a jamais le temps de déclencher la... Genre l'aspiration pour pas perdre notre combo, c'est trop triste. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup joué au jeu. Je décroche un peu. Pour être tout à fait honnête, le jeu de ma carte tour, je commence un peu à décrocher parce que... Bah, on fait toujours la même chose. Et en plus, c'est un jeu solo. Si je ferais toujours la même chose... Enfin, si je faisais toujours la même chose, mais que... J'étais avec d'autres gens, ça pourrait aller si je pouvais jouer avec des potes et tout, mais là, j'ai vraiment l'impression de commencer à tourner un peu en rond. Donc bah, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais c'est le fait que bah, maintenant, à chaque saison, les trois quarts des courses qui nous sortent, c'est des courses qu'on connaît déjà. Genre là, à part la course de Paris, ils nous ont sorti des nouveaux. À part Paris, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune nouvelle map. Enfin, si, des versions sens inverse et tout de trucs qu'on connaissait déjà, mais à part ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment que des trucs qu'on connaît. Et je sais pas, je trouve pas ça... Au début, ça me gênait pas, mais là, le jeu, bah, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait bientôt 2 mois, hein. Je dois faire un mois et demi, je crois. Et ouais, bah, je sais pas. J'ai toujours envie d'aimer et tout, parce que genre, j'ai vraiment envie de compléter ma collection de pilotes, etc. Mais au niveau du gameplay et tout, pour moi, j'arrive un peu aux limites, quoi, en fait. Ok, je vais me faire doubler. Non, faut que je sois premier. Il est juste derrière. C'est bon. Ok. Et il faut que je sois toujours premier, parce qu'il faut que je sois premier, je sais pas combien de fois, là, pour ma mission. Genre, je crois que c'était 3000 fois. C'est énorme. Ils ont abusé sur leur truc, c'est dingue. Bon. Ok. Très bien. Les pièges continuent d'en gagner encore.
Est-ce que je suis au max? Non, je continue encore d'en gagner. J'ai pas encore le max de la journée, hein. Flipper Waluigi alternatif avec Pichette. On peut prendre... ouais, allez. Puis ça, elles sont super belles ces ailes. Même si elles font bizarre, parce que pour moi, elles auraient dû plutôt partir du kart que partir de la tête du perso. Mais elles sont quand même belles. Là, c'est pas sens inverse, hein, ouais, c'est juste alternatif. Ce circuit en version sens inverse, il est complètement dénaturé. Il a rien à voir du tout avec l'original et il est même beaucoup moins intéressant. Il y a plein de circuits que je trouve ça, genre, limite plus excitant de les faire en version alternative, enfin sens inverse, mais celui-ci, pas du tout. Hein. Ok, très bien. Non, 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 non. Oui, parfait. Je ne peux pas perdre mon combo. Ok, ça continue. Oui! Je suis déjà à combo de 23. On va voir quel objet j'ai. Ouais, rien de très intéressant. Je peux toucher quelqu'un? Non! Ça arrêtait mon combo parce que j'ai touché personne! Petit chenapan. Non mais, non! On va pas voir la... Non! Mais la malchance! Ah, ah bah ok, ça m'a pas fait perdre mon combo. Mais là par contre, je vais le perdre. C'est sûr? Oui. Non! Oui, c'est sûr. Si j'avais été un tout petit peu plus rapide, c'était bon, mais non. Et non! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. C'est vraiment méchant. Ok, alors j'ai le canon, mais le canon à champi, il sert à rien du tout, il y a... Enfin... Parce que là, à partir du moment où je vais être là-dedans, faut pas que je l'utilise, parce que sinon les champis, je vais les mettre par terre. Moi, je peux utiliser le canon. Ok, allez. Très bien. Voilà, je vais l'utiliser là maintenant, parce que bah, j'ai pas le choix, ça l'utilise automatiquement, mais c'est vraiment pas dingue. Ça aurait été bien pourtant d'en prendre un, ça m'aurait permis de continuer, d'améliorer mes combos, mais... Oh, mais non. Ok, pas mal. Non, 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 non. Ah oui, de toute façon, ça m'avait déjà arrêté mon combo. Tant pis. Je suis cinquième. Ok, j'avais pas remarqué du tout. J'étais plus concentré sur faire du score que essayer d'être premier, donc ça a été plutôt mauvais pour moi. Ok, allez. Je touche quelqu'un avec la bombe. What? Non. Ok, très bien. Au moins, je serai peut-être troisième. Mais les autres, ils sont vraiment trop loin devant. Hein. Parfait. Ouais, bon, je pense quand même que je vais avoir le maximum d'étoiles. Parce que 8342, ça reste pas négligeable. En vrai, c'est plutôt pas mal quand même. On va voir ça, mais... Ouais, allez. 8100. Ah ouais. Non, en fait, c'était limite quand même. Donc c'est quoi comme mini? Je contre la montre avec bébé Luigi. Ah bah! Donc elle, par contre, c'est un perso à manche courte. Ok. Je veux bien. Bah, je suis pas mécontent d'avoir réussi une mission, hein, donc ok. Très bien, très bien. Par contre, bah, j'ai toujours pas réussi à faire le bilbal et ça me saoule. Ok, mais contre la montre sur le truc de Luigi Mansion. J'aime pas ce circuit. Bah si, je l'aime bien, mais je l'aime pas sur Mario Kart Tour, j'ai trop de mal. J'ai l'impression qu'on est trop serré et tout, et on fait que de se bombarder. Enfin, quoi que là, ça va, parce que je suis tout seul. Bon, par contre, il vaut mieux aller en ligne droite, oui. Voilà, très bien. Ok, essayons de faire le meilleur dérapage. Ok, faut que je prenne le passage secret, celui avec le Delta Plane. Je pense que c'est lui le meilleur. Je sais pas, hein, mais je pense que c'est celui qui me fait gagner le plus de temps. Non! Il y a vraiment trop de sensibilité, c'est n'importe quoi, je voulais pas utiliser mon objet. Parce que maintenant je pourrais pas prendre le passage secret dans le deuxième tour. Et en plus, c'est vraiment ric-rac au niveau du timing, ce genre de truc. Genre, il y a moyen que ce soit genre 1 minute 50, un truc du genre, et 1 minute 50, je sais pas si j'y arriverai, hein. On va voir. 1 minute 45. Enfin bref, ok. Souhaitez-moi bonne chance quand même. De toute façon, sinon je réessayerai, hein. Sans utiliser mon objet par erreur. Parce que là, par contre, le virage, il est chaud. Ok, faut pas essayer de faire de dérapage. Faut juste le prendre normalement. Non! Je crois que j'ai perdu les précieuses secondes qui m'auraient permis. Ça, faut pas le prendre. Ça nous fait perdre trop de temps. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le fais, je perds vraiment énormément de temps. J'y arriverai peut-être avant 1 minute 40. Normalement, avant 1 minute 40, c'est bon. 1 minute 35, peut-être.
Oui, non, oui, ok. Non, là, c'est bon, quand même. Ils vont pas demander 1 minute 30. 1 minute 30, c'est vraiment trop peu. Hein. 1 minute 40, ouf. Ok. Je suis rassuré malgré tout. Allez, c'est parti pour la coupe de Roy. Avec la jungle Dino Dino en sens inverse. Donc le supportier avec Pichette, ça et ceci pour l'améliorer. Il faut que j'amène un autre pilote à 600 points. Donc si je pouvais améliorer Pichette. Hein. C'est aussi l'un des défis qui m'est demandé. Parce que là, oui, j'ai pas racheté de... Genre, j'ai continué de gagner énormément de rubis. Mais j'en ai racheté aucun. Enfin, j'en ai juste racheté dans la dernière vidéo. Ça, vous l'avez vu quand j'ai pris le Todd Stand. Mais sinon, c'est tout. J'en ai pas pris d'autres. Donc, pour cette saison, je pense que je préfère vraiment faire des économies. Et je suis presque sûr de mon choix. Peut-être qu'au dernier moment, je vais finir par me dire non, allez, je vais tirer un peu sur le tuyau. Mais j'aimerais bien vraiment éviter. Parce que... ça coûte vraiment cher et je vais avoir que des trucs que j'ai déjà en plein d'exemplaires, donc ça a aucun intérêt. Oh oh, oh d'accord, ok, très bien. Sauf qu'ils sont trop loin. Ah, peut-être pas. Ok, j'ai réussi à en avoir un, très bien. J'en ai eu un autre. Je sais pas bien comment j'ai fait, mais cool. D'ailleurs, j'ai réussi à valider la mission, mince, ok, où il faut avoir 3 personnes avec une avec une bombe dans la même course, et je sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai pas eu de bombe. Genre, il y a eu un bug, j'ai pas eu de bombe, j'ai fini un circuit, et ça me l'a validé. Donc, bah, bien entendu, je m'en suis pas plaint, hein, j'ai pas fait une réclamation au service après-vente de Nintendo, mais j'ai pas compris. Enfin, c'est pas grave, hein, tant mieux pour moi. Pourquoi ça m'a arrêté mon combo? Je me suis pris une banane. Non, 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 c'est Roy qui s'est pris une banane. Non, c'est pas Roy, c'est Morton d'ailleurs. Oui. Je pensais à Roy parce que c'était la coupe de Roy, mais c'était pas Roy du tout. Ok. Toujours le passage le plus rapide, que je crois. Je suis pas tout à fait sûr, mais probablement. Ok, ça m'a porté chance. Parce que là, il n'y a plus d'objets. Enfin, si, il y a des objets là-bas, mais ils servent à rien parce que, genre... L'autre, il aura déjà dépassé la ligne d'arrivée le temps que j'ai mon objet. Et en plus, j'ai rien eu de très intéressant. Hein. Je l'ai quand même eu avec une carapace verte. Je suis plutôt fier de moi. Je l'ai pas fait exprès. Elle a rebondi un peu n'importe où, mais je suis plutôt content. Bien. Mon deuxième, c'est quand même cool. 81,4. La Pichette, je pense que je vais l'améliorer en utilisant des tickets. Faudrait que je l'amène aux 600. C'est parti pour le manoir de Luigi. Ok, Luigi avec lequel j'ai quasiment jamais joué. Je pense que vous le voyez, Luigi il est toujours au point de base, 450 points. Donc j'ai joué une fois avec lui en vidéo, mais c'est tout. Alors. Ok, parfait. Jade, je me suis déjà battu contre Jade. Elle m'avait peut-être même battu d'ailleurs. Oh, bien, bien, bien. Ok, alors je tourne même pas. Ok, je peux toucher d'autres gens, non? Non, non, ça veut pas. Pourquoi ça tire pas? Pourquoi ça tirait pas de carapace? Bon, je sais pas. Bon, j'ai quand même fait 10 de combo. Ça va. Champi. Non, pas de champi. Dommage. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça m'a même carrément déconcentré. C'est trop tard. Bon, prenons le passage secret, quand même. Mais il sert vraiment à rien. Enfin si, il sert à faire un combo, mais toutes les places qu'on perd. Je sais pas qui est... Oh, Bilbal, Bilbal. Non, touche des gens, touche des gens. Non. Le premier Bilbal que j'ai de la saison et je touche personne. J'aurais dû attendre d'être dans un truc comme ça, là. Genre, j'ai... La route était beaucoup trop large. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vraiment tellement content de l'avoir que je l'ai utilisé et j'ai tout gâché. Bon. Ok, carapace bleue, c'est nul. Enfin, c'est nul, parce que ça rend pas service vraiment à moi, mais... Vas-y, la carapace rouge. Ok, mais je vais encore une fois finir super mal. Oh. Ouais, non, ça sert à rien. J'ai pas pu utiliser le champi comme il faut, non. Vas-y, il faut un objet. Je veux pas finir cinquième. Oh non. J'ai l'impression que quand j'utilise le ticket à objet, il y a que des trucs pourris dedans. Vraiment. Oh, bah bien, mais... ça ne me permet pas vraiment d'accélérer, donc en gros c'est pas ouf. Non, 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 non,
L'autre, il me talonnait là. Il était juste derrière là, le Mario musicien. 6977. Pourtant, j'ai eu deux frénésies, mais c'est vraiment pas énorme. Voyons voir. Oh, si. Ok. Parce que de toute façon, sur ce circuit, il n'y a pas vraiment beaucoup moyen de faire un très gros score. Circuit Mario, 3 alternatifs. Ok. On va jouer avec Lakitu. On joue pas souvent avec lui. Et celui-ci. Bon, ça va être la dernière course qu'on fait. Enfin, après, on va faire le mini-jeu. Je sais pas ce que ça va être. Ça va peut-être être le géant. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression de m'être déjà battu contre un géant durant cette saison. Donc ce sera peut-être ça. Ok. Oh, mais j'ai pas le bon planeur pour garder mes combos. Oh, 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 non, non, non. Oh, oh, oh. Trop bien. Trop bien. La meilleure frénésie du jeu. Vraiment. Y a pas photo. Oh, tourne, 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 tourne. Ok. Par contre, non, non. Oui, ça continue mon combo. Parfait. Encore. Ah, là, par contre, ça va pas le continuer bien longtemps. Non, faut que ça le touche derrière. Non, dommage. Dommage. Là, il y avait pas un passage. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je suis carrément premier. Et genre, je fais du hors-piste. Mais on dirait presque volontairement. Ah, mais ça m'a fait quand même finir à la première place. Merci. Ah, j'ai quand même déjà fait un bon score. Mais vu que c'est un truc avec des rampes partout, ils vont demander un très haut score, je pense. Comme d'hab. Histoire que ce soit pas trop facile non plus. Et le Mascas Cristo, il est vraiment pas loin. Oh, oh, oh. Ok, non. Mais j'ai l'impression qu'il a été plus ralenti que moi. Attends, le Mascas Cristo, il est pas petit. Peut-être qu'il est considéré comme un perso moyen. Je ne sais pas. J'ai toujours le réflexe d'utiliser mes bananes comme ça alors qu'il ne faut pas. Parce que si on m'envoie une carapace rouge, là, je suis mort. Non, mais c'est bon, parfait. Bon, je finis premier avec 9600 points. C'est suffisant. C'est obligé. Alors, j'espère. Sinon, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire mieux. Ce serait pas suffisant, c'était les dernières coupes, mais là, ça va aller quand même. Voyons voir. Oui, 7400. Ok, j'ai fait 2261 de plus. Très bien. Ah bah, Méga Roy. Quand je vous disais qu'on allait voir un méga. Et dès qu'on l'aura battu, je vais aller ouvrir les cadeaux. Ok, je sais pas. Je sais vraiment pas à quoi ça sert de prendre. Si tu prends un perso en particulier, ça change quelque chose là-dessus. Parce que c'est l'objet que tu peux avoir. Et il y a des objets qui peuvent être utiles et d'autres non pour battre le méga. Mais par contre, le reste, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, le carte que tu prends. Parce qu'en gros, tu peux pas faire de points sur ce genre de combat, donc... enfin, combat à course, quoi. Mais ça me rappelle vraiment énormément Diddy Kong Racing, ce genre de truc, c'est trop cool. Salut. Ok, bon, bah, il est déjà mort. Ah ouais, mais moi, non, mais... Ça, je vais me le prendre à chaque fois. Ok, très bien, non. J'espère qu'il prend pas le même passage que moi, hein. Non, il a pris le long course. Ça me va. Je garde les objets ou pas? Non, je les envoie. Je l'ai eu. Il était pas loin derrière, hein, mais j'ai pu l'avoir. Non, je ne peux pas le prendre. Ouais. Faut pas prendre les geysers quand ils sont sortis. Ils te font vraiment perdre du temps. Bah, j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est que dans ma tête, mais j'ai l'impression de perdre du temps quand je les utilise. Allez. Tu l'as pas eu? Mince, pourtant il est énorme. C'est pas difficile de le louper. Voyons. Ok. La banane. Non plus. Ça me stresse un peu parce que là il se prend aucun de nos objets et il est vraiment pas loin derrière. On va faire le tour. Parce que quand je passe de... Ok, quand je passe dedans, j'ai vraiment jamais de chance. En plus l'avance qu'il prend et je me la prends aussi. Je sais pas si j'arriverai à être premier. Ça dépend de quel objet j'ai. Je peux avoir de bons objets, mais là. Ah quoique. Ouais, il a pris le tellement long coursi que. Oh, oui. Oui. Parfait. Ah, j'aurais dû prendre le passage secret, mince. Pas grave. Mais en vrai, j'ai l'impression que pour ce genre de course, il vaut mieux dépasser le perso tout à la fin, en fait, plutôt que d'essayer de faire des trucs bien au fur et à mesure. Enfin, dès le début, non, il faut juste rester à peu près au même niveau et le dépasser juste à la fin. Hein. Vas-y, oui! Parfait. Ok, là, ça m'étonnerait qu'il me double. On sait jamais quand même, mais non, là, c'est bon. C'est bon. Yes! Voilà, j'ai battu Méga Roy! Ouf! Il était où là? Il était loin? Ah bah non, 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 il vient de m'écraser.
Ok, bon bah, pour l'instant j'ai tout fini à 100% sur cette coupe. C'est bien, enfin sur cette saison, c'est cool. Ok, coupe Roy terminée. Non, je ne veux pas de votre offre spéciale pourrie. Et la coupe Daisy avec Flipper Waluigi en sens inverse. Voyons voir, alors quel cadeau on a là? Un nouveau carte peut-être? Ou un nouveau planeur? Ticket d'objet, rubis, pièce, ticket d'objet toujours, rubis. Ah voilà, le Donkey Jumbo! Mais c'est pas un nouveau, je l'avais déjà. Mais par contre, il y a le Donkey Jumbo doré, je crois qu'on peut avoir. Rubis, point de pilote, pièce. Oh! La Royale Blanche! Il est stylé! J'aime bien ce carte. En plus, il me sera peut-être utile pour la ligue. Parce que faudrait que je monte quand même un peu, histoire de m'assurer au moins la troisième place. Les points du pilote. Parce que là, en gros, je suis. Allez, voilà, j'ai quand même 1400, 1500 d'avance. Donc, c'est pas mal. Par contre, je passerai jamais premier, hein, je pense pas. Mais ce serait bien d'être au moins troisième. Ouais, troisième, c'est presque sûr quand même. Deuxième, peut-être pas. Il va peut-être me doubler. Mais je pense que je passerai pas quatrième. Enfin, on verra. Hein, tout peut se jouer dans les derniers jours, même dans les derniers moments. Enfin bref, les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Mario Kart Tour sur mobile. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!